deuxième jour de rando à Bear Creek pour rejoindre le sommet de la montagne dont je connais absolument pas le nom très franchement. Et en fait là, vu qu'on va quitter la forêt et qu'on va commencer à attaquer les crêtes un peu plus arides, on va essayer de se refaire en eau dans la rivière qu'on entend couler juste en bas. Donc voilà, jour 2, c'est parti. Il y a un beau sentier de nuit. Ouais. Sur la crête et le paysage de l'autre côté, ben, je vous laisse juger par vous-même. Allez, je vous offre un petit 360 degrés en prime. Bien là. Ça fait 2 heures qu'on a quitté le campement du midi. Et voilà enfin le sommet à portée de main. Je sais pas si on va le tester. Avec Buddy, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je pense qu'il va falloir mettre un petit campement de base ici et qu'on y aille chacun notre tour. Mais c'est vrai que pour la beauté du geste, ce serait bien d'y aller quand même. Donc on se redescend par la crête qui est juste là, tac, jusqu'à la forêt, et puis après on avisera. Finalement le sommet là derrière nous, on va le laisser tomber parce que ben voilà pourquoi. On a un espèce de gros front nuageux qui nous arrive en pleine gueule et j'aimerais pas être bloqué là-haut quand ça nous tombera dessus. Donc du coup on fait des sacs, on prend le chien et on redescend. Un Buddy. Et sinon le décor, il envoie du steak quoi. À part le pic que je viens de vous montrer, je pense qu'il n'y a pas plus haut dans le coin. Belle petite grimpette. Tout le monde, alors bonne nouvelle, on est bien sorti du bush, on est en vie, on est de retour au centre communautaire là, depuis 10 minutes, pour on en a profité pour se débarbouiller un petit peu et pour refaire le plein d'eau, parce que je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai raconté que dans les cabanes il n'y avait pas d'eau, donc du coup on va essayer de revenir pas totalement les mains vides. Notre petit compagnon Buddy est complètement mort. Donc voilà, ça sent la fin là, il nous reste quoi, 2 km peut-être, 2-3 km max, pour rejoindre la cabane d'Aurélie et pour pouvoir prendre un bon repas. On débarque dans la petite cabane dont je vous avais parlé et vous allez voir que l'endroit a du charme. D'autant plus qu'on s'est tapé 2 flancs de montagne.
Ouais, on doit sortir de 20 km de grosse montée, grosse descente à travers le bush. Enfin bref, quand tu vois cette petite cassée baraque là et que tu reviens de ce genre de rando là, t'es juste content en fait quoi. Ça peut être là si ça c'est là. Ah si. Salut les garçons. Ça va? La forme? Alors, les aventuriers, est-ce qu'ils sont tous mouillés? Ah bah alors là, ouais. Oh putain, c'est vrai, tu sais pas à quel point t'as raison quand on parle le terme aventurier. Quoi. Ah bah voilà, enfin. Allez, 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 allez. On est au désert de Kaakos ici. Alors, la renommée et la fierté des habitants locaux, c'est que c'est le désert le plus petit du monde. Alors actuellement, c'est pas vrai, vu que c'est pas un vrai désert. En fait, là, c'est un peu expliqué, il te raconte un peu comment ça marche. Mais en fait, c'est juste une dune qui est là, et c'est sûrement à cause de, alors je sais plus, la sédimentation, des lacs, je sais pas quoi, qui a déposé du sable, donc ça n'a rien à voir avec un désert, mais ça a la ressemblance. Du coup, ici, il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire des petits pique-niques et tout, parce que là, il y a des petites tables pour faire des pique-niques. Après, les gens font du ATV. Et puis après, il y a des gens qui viennent juste se poser tout en haut et dégringoler comme des gros malades, comme je pense qu'un certain Guillaume va se être charmé de faire. Faut le savoir. Je casse les lignes. Ah, regarde, on peut avoir des stamps. Oh, Guillaume. Eh, regarde. Passeport stamped. Oh, yeah. Allez, je te valide. C'est, ouais, vas-y. Tadam. Oh shit! Yeah. Sorry about that, no, man. No, no, no. Okay, it's okay. Did you hurt you? Oh yeah, the bike hit me. Yeah. Here, I'll just. Ah, dude. Just going in to film. Yeah. Awesome.